Hey, tu marches sur mon pied, quoi. Attends, moi même marche ton pied, quoi. Mon cheveu, tu sais. Mais c'est pas son cheveu, ça m'énerve. Tiens, les gars, mais ça, on a fait, ouais. Mais j'en fais, hein. Arrête les gars, tu viens me goûter. C'est mon cochon bête, hein, Natawa. Trouve ça, mais les portes ou pas. Quoi, son bras? Ah, on voit son bras, les gars, ça a monté. C'est mort. C'est pour les carnets de... Très bien. Vous m'en gardez une pour la semaine prochaine, hein. Je suis un abonné. Je serai là de nouveau. Merci. Eh oui, bonsoir à toutes. Et bienvenue à ce cocktail de vos impôts, bien sûr. Eh oui, nous saluons notre ami Monsieur le Général, tout de blanc vêtu, bien sûr. Et Sarre... Nous remercions aussi, bien sûr, la présence de notre maire. Merci, monsieur le maire, pour le CES de mon frère. On te saluons, bien sûr. Et puis, notre ambassadrice de charme, notre Miss... comment ça? Ah, l'affaire là, là. Miss Toussala. Des oiseaux, vous présentez pas et des autres, quoi? Des merdes, azote, ça! Sinon, mademoiselle, une question qui me brûle les lèvres. Pas trop lourd à porter, ce titre de Miss? Oh oui! Belle soirée! Il y a tellement d'étoiles dans le ciel qu'on pourrait croire qu'elles se sont... parsemé sur vos épaules. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Je serais tenté de dire que nous avons presque la même écharpe. Oh oui, mais la mienne est plus importante. Je suis Miss Toussala. Je viens de La Réunion. La Réunion est une île splendide qui se trouve dans l'océan Indien. Anciennement appelée l'île Bobo, oui. Elle s'étale sur plusieurs milliers de kilomètres carrés pour à peu près 700 000 habitants. Oui, mais... J'ai 18 ans. Je suis en LEP comptabilité au lycée Augusto Pinochet. J'adore le regard des saucisses. Je déteste l'hypocrisie. Ah oui, ça, l'hypocrisie, vous savez, mademoiselle, tout le monde la déteste plus ou moins un petit peu. Mon type d'homme préféré, c'est les grands bruns aux yeux verts. Je voulais juste... Et ma musique préférée, c'est le The Club. Ça fait un totochement, ça. Bonsoir. Bonsoir. Miss... Attends, non, je connais. Miss Mamie Belle. Ou de maman, là, qui est Miss Mamie Belle. Je suis Miss tout ça, là. Je viens de La Réunion. Ah, moi aussi. La Réunion est une île splendide qui se trouve dans l'océan Indien. Je m'y connais. Anciennement appelée l'île Boisbon, oui. Elle s'étale sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, oui. Pour à peu près 700 000 habitants. Je m'y connais. J'ai 18 ans. Ah, moi non. Je suis en LEP comptabilité au lycée Augusto Pinochet. Ah, moi fin de game aussi, AP. J'adore le regard des saucisses. Ah, moi aussi. Je déteste l'hypocrisie. Ah, moi aussi. Mon type d'homme préféré, c'est les grands bruns aux yeux verts. Ma musique préférée, c'est le Zouk Love. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, mais j'adore l'histoire de La Réunion, mais mon camarade, j'adore plus que moi encore. Ah bon? Hein, bouge pas, hein. Oui. Reste là, ça crie, allez. Je vais raconter tout cela, hein. Ok. Psst. Hey, ton chin, t'es là. Ça là? Hey, canon. Ah, tu sais. Hey, gay bon show. Ah, où Jimmy Trapsa? Hey. La classe, on est là. Ah ouais? Avec le style, tout ça. Ah ouais? Trapsa où? Ah oui. Hey, madame, où est technique? Même si les pas beau, fais le beau. Ah non, mais moi, les beaux, moi. Ouais. Si, le beau. Ouais. Ouais. Et dans la poche. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première... copetaille?
Je disais donc, c'est votre première... petaille. Ah oui, j'ai compris. Vous voulez savoir si c'est mon premier cocktail? Moi, non, mais vous, sûrement. Hé. Hey. Oui? Vous ne connaissez pas moins que oui. Non. Je devrais? C'est moi, ça. Ah. Himself, moi-même. Ben, c'est bien. Quand pas la pub, quoi. Non, non, très peu, mais vous m'avez sûrement reconnu, par contre. Non. Je suis Miss Toussala. Je viens de La Réunion. La Réunion est une île splendide qui se trouve dans l'océan Indien. Anciennement appelée l'île Bobo, elle s'étale sur plusieurs milliers de kilomètres carrés pour à peu près 700 000 habitants. J'ai 18 ans. Je suis en LEP comptabilité au lycée Augusto Pinochet. J'adore le regard de saucisse. Mais dans la poche, dans la poche. Je déteste l'hypocrisie. Mon type d'homme préféré, c'est les grands bruns aux yeux verts. Et ma musique préférée, c'est le The Club. Excusez-moi, mais le devoir m'appelle. Ah. Je reviens. D'accord. Folle pas le bateau. Où t'es dans le coup, t'es la mettre à moi, c'est poison tantinante. T'es dans la poche, hein. Qu'est-ce dans la poche, quoi, c'est quoi, par la il veut plus arrêter, couillon. Où t'es trappé ça, ou là. T'es trappé ça, fallait débrancher, allez d'abord. Ah oui. Soldat, je vous rappelle que vous êtes en service. Oui, chef. Pompe. Ah, c'est vite, j'ai fait de ma gros boulette, hein. Sinon, mademoiselle. Est-ce que... Mon général, pour une fois, c'est pas moi. Monsieur, c'est pas moi. Monsieur le meilleur, quand même. C'est le meilleur. Un peu de respect. Je voulais dire, mademoiselle, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Pour quand? Ben, pour le futur. Écoutez, mon caporal... Non, général. Oui, enfin bref, soldat Ryan... Nous ne sommes pas là pour parler de choses banales. On dit des choses banales. Oui, mais là, il y en a plusieurs. D'accord. Bonsoir, rebonsoir, ça se passe bien? Oui, oui, très bien, monsieur le maire. Mais allons t'en mirodeur, monsieur le maire. Pourquoi? Monsieur le maire, t'es pas trop dur, la prison? Mais il m'a jamais fait la prison. Ah, m'éteindra pas. Monsieur le maire, c'est à moi ça? Monsieur le maire, vous connaissez pas moi quoi? Non, pourquoi? Monsieur le maire, c'est à moi ça? Bah, il tombe bien, c'est moi aussi. Monsieur le maire, garde pas la pub, quoi. Très peu. Non? Ah, bien sûr, monsieur le maire, bouge pas. L'indice. Bouge pas. Mico, prends les normes. Bouge pas, monsieur le maire. T'es, monsieur le maire. Comment ça va, moi, ça dit, mais oui, Nico. Comment, mal, pas, on m'a accalé. Comment, ben, on va. Ah, bouge pas, monsieur le maire. Excusez-moi. Monsieur le maire. Et là, maintenant, monsieur le maire. Blédina? Monsieur le maire! Non, mais... Monsieur le maire, on ne connaît pas l'Igoué. Tiens, ok, monsieur le maire. Oh. Ah, on connaît Aliou? Non, on ne connaît pas l'Igoué. Affaire au bout de gueule, alors? Non, mais tu peux t'appeler. Gérard. Bernard. Gérard. Bernard. Est-ce que tu reconnais ce jeune homme qui désespérément essaie de... Non, vraiment, désolé, je ne remets pas. T'es Gérard, t'es... Non. Gérard. Mademoiselle. Oui.
Oui. Excusez-moi. Je suis Miss Toussala, je viens de la Réunion. La Réunion. Non, c'est bon. Genre, je voulais juste savoir si vous reconnaissiez ce jeune homme. Ah oui, maintenant, depuis tout à l'heure, oui, bien sûr. Ah. Dites-moi, c'est bien vous qui vendez les bread marché forain? Travailler tribunal. Yeah. Oh. Yeah. Wah. Mais ça arrête, bon peu, voleur légal, apprend sans demander. Ouais. Strap les gars, prends un an, deux ans, trois ans, quatre ans, la zole, pareil que ça. Ouais, pareil que ça. Yeah. Hou. Chou. Yeah. Nonobstant le fait que m'en est greffier, m'a demandé à d'éteindre votre portable, les gars, parce que la cour qui sied à ce jour est majoritairement composée de magistrats en graines. S'il vous plaît. Mesdames, messieurs, la cour. En l'absence, monsieur le président, de disposition transitoire express, je pense que vous serez mis en examen. Oui, mais je suis désolé, c'est déjà dans le GIR d'avant-hier. Comment, Justice Macro? Vous aussi? Très bien, on se retrouve la semaine prochaine au tribunal. Je te demande de ranger ta chambre et de faire tes devoirs scolaires. D'accord? S'il vous plaît. Bon. Greffier, le prévenu est-il présent? Je vous rassure, monsieur le président. Ce n'est pas un procès virtuel du genre copie pour Bobine Réunion. Le prévenu est bien présent. Nous pourrons donc enfin juger. Mais écoutez, faites entrer le prévenu. S'il vous plaît, le prévenu. Par exemple, une souris, quoi, fais-la. Où elle est? Greffier, le prévenu n'a pas de menottes? Monsieur le président. Ah non, on connaît. Le commissaire, dis-moi comment on a pu acheter en stock. Ça fait qu'on connaît. Mais avant de comment l'acheter, moi, la chime pas bénéfice. On connaît, moi, pas combien de femmes bien chiter. Bien. Je vais donc donner lecture de l'acte d'accusation. Monsieur Jean-Luc Théodore Defort, je dis Réchaud. Objection, votre honneur. Réchaud, c'est pour les intimes. Nous n'avons jamais vu le volaille ensemble, nous. Mais ils m'ont quand même respecté. Bien, alors, monsieur Jean-Luc Defort, j'y suis présent, fils de Basile Defort et de Marie-Ernestine de la Batelière, né le 29 février 1969 à l'entre-deux. Vous êtes accusé d'avoir rétrocédé une volaille collée plumée chez un particulier, en l'occurrence chez monsieur Georges Fangourin de la Manioc, volaille qui couvait dans un champ de Zamal. Monsieur le greffier, je vous prie de bien vouloir m'éclairer sur certains termes utilisés dans cet acte d'accusation. Par exemple, lorsque l'on parle de volaille collée plumée, de quoi s'agit-il? Petit président. Oui. Volaille collée plumée, si vous voulez bien, c'est une variété de poule connue. Ouais, comme son gal, quoi. Connue. S'il vous plaît. Bah ouais. Et lorsqu'on parle de champ de Zamal, de quoi s'agit-il? Zamal. C'est une variété d'herbe que l'on donne aux coques. Zamal, herbe à coque. Il connaît, ce garçon, il fume. Oh. Alors je résume. Merci, monsieur le greffier. Vous êtes donc accusé d'avoir dérobé un gallinacé connu chez un particulier dans son champ d'herbacoque. Monsieur le greffier, c'est cela? C'est exactement cela, monsieur le président. Merci, monsieur le greffier. Je vous en prie, monsieur le président. Je donne donc maintenant la parole à l'accusation, c'est-à-dire à monsieur le procureur de la République. La parole est à vous. Monsieur le président, monsieur le greffier, mademoiselle l'avocate. Monsieur le procureur. À moi non alors. Mais pas de moins.
Ben oui, dis bonjour tout le monde à moi, non, que. Je pas dit bonjour, monsieur Poivigny. S'il vous plaît. Ah ben ouais, pas la coupe, de toute façon. J'ai dans ce tribunal le rôle du méchant, le rôle de l'ingrat, le rôle du procureur en graine. Et je tiens à rassurer le prévenu, Bouglaï, ça a gagné. Ouais. Donnez-moi la première pièce à conviction, s'il vous plaît, monsieur le greffier. Pièce à conviction numéro 1. Monsieur le procureur, vous avez failli perdre votre œuf, hein? Mesdames, messieurs, qu'est-ce donc ceci? Erreur. Ceci n'est pas un simple œuf. Ceci est un orphelin. Lui, par contre, est un œuf. Oh, objection, votre honneur. Objection. Je ne puis tolérer que mon client soit comparé à un œuf. Objection rejetée. Enfin, comment ça rejeter, monsieur le président? Je ne vois pas en quoi cette comparaison peut porter atteinte et préjudice aux œufs. Poursuivez, monsieur le procureur. Allons-y. Je vous remercie, monsieur le président. Je disais que cet œuf n'est pas un simple œuf, mais bien un orphelin. Peut-être aussi un éventuel poussin qui n'aura jamais connu la tendre et douce couvaison d'une mère. Peut-être aussi un autre jeune poussin qui ne connaîtra jamais la joie de piailler et de picorer avec ses frères dans la basse-cour. Peut-être encore un jeune coq qui ne connaîtra jamais la joie des rondes coques, la gloire des rondes coques dont notre ami Réchaud est société à notoire. S'il vous plaît. Car tout le monde le sait bien, Réchaud est au dopage de coq. Ce que Richard Virenque était à une époque au Tour de France. Ouais. C'est pour ça que je dis Bouglaï, ça a gagné. Parce que tout simplement, Réchaud n'a pas mesuré la gravité de son acte. Il est entré dans le champ de ce brave agriculteur en piétinant les cultures, 15 hectares de zamal. Il a pris la poule, l'a tuée et l'a mangée. Mais pas like ça, c'est un palaïste. Et c'est pour cela que je demanderai même pas la clémence pour ce travailleur clair de lune. Excusez-moi, mais travailleur clair de lune, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous entendez par ce terme? J'y arrive, monsieur le président. Eh bien, travailleur clair de lune, oui. Monsieur le président. Oui. Eh bien oui, monsieur le président, travailleur clair de lune, monsieur le président. Si vous me le permettez, monsieur le président, c'est un voleur de nuit, monsieur le président. Voleur! Mémé. C'est cela, monsieur le procureur? C'est cela. Merci. Je vous remercie, monsieur le greffier. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous en prie, monsieur. Je disais donc que je n'aurai aucune clémence pour ce travailleur clair de lune, car Réchaud a fait de ce proverbe cher à nos grammounes, coq mon voisine, même grosseur mon marmite, il en a fait sa ligne de conduite dans la vie. Et quand je vous disais tout à l'heure, à travers cet œuf, il ne fallait pas voir un simple œuf, ni un œuf frite, un carré d'œuf, un rougaïs œuf ou un œuf au plat. Eh bien, à travers cet œuf, il fallait voir tout un symbole. Car l'œuf est le réceptacle de la vie. L'œuf contient les germes stériles jusqu'à ce que ceux-ci soient fécondés par la puissance divine. Mais malheureusement, notre ami Réchaud est passé par là. Il en a décidé autrement. Et en tuant la mère de cet œuf, je peux dire que Réchaud a tué un enfant, bon Dieu! Et si je peux me permettre ce néologisme, monsieur le président. Je vous en prie, monsieur le procureur. Je dirais que notre ami Réchaud a commis un volaïcide. Volaïcide? Qu'est-ce que vous entendez par ce terme, monsieur le procureur? Alors, volaïcide, monsieur le président. Oui. Si vous voulez, c'est une... Monsieur le Président, un volaille ici, monsieur le Président. En clair, Réchaud, il attrape le volaille. Il la casse le cou et il a mangé grand dent. Gapot. Ah. C'est cela, monsieur le procureur? C'est cela. Je vous remercie, cela. Monsieur le greffier. Vous gagnez votre place. Merci. Terminé, monsieur le procureur. Et pour cet acte gratuit et barbare, qui plus est profane, eh bien, je demande... la réclusion à perpétuité. Tonton,
Écoutez, bien, vous m'avez filmé le Zamal, m'avez dit un bouc. Bien. Maintenant, la parole est à la défense, c'est-à-dire que c'est à vous, maître. Merci, monsieur le président. Je souhaiterais m'exprimer en créole, si ça ne vous dérange pas. Mis en prix à où? La loi d'Exon vous y autorise. Greffier, comment dit-on allez-y en créole? On dit pique de pain, monsieur le président. Eh bien, piquez de pain, maître. Merci, monsieur le président. Après le réquisitoire en règle de monsieur le procureur de la République que l'avait vertuali à faire l'apologie du œuf en général, on a comme un peu l'impression que nous égare à nous un petit peu. Alors, ma commence par poser une simple petite question. Qui juge-t-on aujourd'hui? Ben nous juge Ali. Objection, votre honneur. Ali, vend du journal à la croix du chemin, moi, il appelle Réchaud. Nous jugeons un homme. Non, oh, je t'ai payé rien pour dire ça. Vos demi minutes dans votre linge sauve souris, avec coup de paye, et puis mettez défendamment moi tout seul. Réchaud, si vous voulez sortir de la libre, vous t'as coup de bouche et laissez-moi finir à causer, d'accord? Ouais. Vos demi minutes mettez JSFR avec défendamment. Non, enfin, mais pourquoi voulez-vous que ce soit SFR qui vienne vous défendre? Mais parce qu'avec SFR, vous n'avez jamais fini d'être libre. Quel bar, là, franchement. Je vous en prie, maître, poursuivez. Merci. C'est bon, monsieur le greffier, on a compris, merci. Non, mais il est drôle. Monsieur le greffier. Excusez-moi, monsieur le président. Instant, moi, ben, je vais un claque drôle ici, hein. Mon client, ici présent, Réchaud, l'est né en 1969. Ouais. Soit, il y a pour vous et moi 31 ans. Mais, étant né un 29 février, il n'a pu souffler que 7 fois ses bougies d'anniversaire. Oui, 7 fois. Dans sa tête, il est mineur. Oui, mais mineur, moi. Non responsable de ses actes. Mais pas responsable, moi. Ses parents l'abandonnent à Ali le jour de sa naissance. Sans fait exprès. Soit. Vous êtes la trompe enfants en sortant la maternité, mais je t'y pense pas que ces deux choses-là, c'est des traumatismes importants pour commencer dans la vie. Mais traumatisé. Mon client est traumatisé. Oui. Réchaud, viens faire voir au juré à quel point on est traumatisé. Oui, il est bon. Tout à l'heure, sera traumatisé à l'autre place. Monsieur le procureur, tout à l'heure, vous parlez d'œufs. Moi, elle est d'accord avec vous. Deux œufs, nana partout. Dans ce tribunal, nana d'œufs. Nana d'œufs chez les hommes politiques qui passent la main dans la caisse l'État. Nana d'œufs chez les chefs d'entreprise qui favorisent le travail au noir sur les routes de notre département. Tellement Nana Zoff y conduit tous les jours, nous pourrions croire que c'est Pâques tout le temps. Mon client la vole une poule et vous parle de volaïcide. D'accord. Soit. Vous l'a fait tout un réquisitoire en pleurant sur cet œuf pseudo-divin. Mais alors, que ça nous devrait dire alors de ces sociétés qui brisent, cassent des œufs en longueur d'année, telles que Couvée d'or, le sucru grand matin? Que vous êtes les condamnables pour génocide? Ces sociétés qui, chaque jour, y met des œufs sur le marché et y vend. Œufs que vous achetez et que vous mangez, monsieur le procureur. Et ne me dites pas le contraire, il fut un temps où nous prenions nos petits déjeuners ensemble. Salope! Objection! Objection, monsieur le président. Objection rejetée. Maître, poursuivez sur ce sujet, j'aimerais avoir un peu plus de détails. Bien, monsieur le président. Si vous me donnez l'occasion de parler sur ce qui s'est passé entre monsieur le procureur et moi-même, j'aimerais avoir le loisir d'en dire autant sur vous et moi. Non, c'est bon, poursuivez. Mais messieurs, dois-je noter? Non, c'est bon. Qu'on ça nous devrait penser alors de cette ménagère qui, sans le vouloir, y briserait une plaquette d'œufs dans un supermarché? Qu'elle a commis un homicide involontaire, peut-être? Vu l'article 4 du Code civil, il est attendu que mon client doit être déclaré non coupable. Et m'apprendre à votre propre jeu. Mon client la vole une poule, demande la réclusion à perpétuité. Imaginons qu'il en aurait volé deux. Qu'est-ce qu'on aurait demandé? Deux réclusions à perpétuité. Il est drôle. Vous êtes trois, là, qui travaillent ici en dedans. Hein, vous travaillez ici dans ce tribunal, mais vous n'êtes pas moins des hommes, quand même. Enfin, maintenant, la preuve pour deux.
Aussi. Je me passerai de votre confirmation, je m'en fiche. Ça m'intéresse absolument pas. Alors donc, vous trois, là, avec ce qui pendit devant Zot depuis votre naissance, de quoi nous pourrait accuser Zot? De séquestration? Objection! Le Ross, pas plus gros qu'un taille moustique. T'es perdu, perdu dans le fond de quai à l'océan Indien. T'es qui appelle La Réunion. Et si ce Ross volcan que l'été français, pour tout sauf pour l'égalité sociale, n'arrive un jour un grand truc mardasse de la politique. T'es qui appelle la bidep. Mais au juste, pourquoi ce bidep? Parce qu'il faut absolument équilibrer le sud par rapport au nord. Quand on voit que dans le Nord, au mois de mai, mois de juin, avec un morceau de boucané, un morceau de tantsoubik, un peu de Pronche Pays et de rhum, et quelques bagages, on a renvoyé la Réunion 40 ans en arrière à Gillot, eh bien moi je dis, ceci a permis de mettre en exergue la fragilité du département Nord. Donc, nous demandons pour le Sud un rééquilibrage avec un aéroport flambant neuf. Sans mauvais jeu de mots. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut équilibrer. Et toute bande d'allons, Polo Sivom Premier, l'était d'accord ensemble. Oh oui. N'avait. Elie Labab. Ek TTC. TTC. Tu t'as compris. Les deux étaient comme deux frères Dupont dans le livre Tintin. Eh bien, moi, je dis, il faut absolument que le Sud décolle. Eh bien, je dirais même plus. Je dirais, il faut absolument que le Sud décolle. Eh bien, je le redis à qui voudra bien l'entendre, il faut absolument, et là, je le dis en anglais, il faut absolument que le Sud take off. Eh bien, moi je le dis à qui voudra bien l'entendre en chinois, il faut absolument que le Sud take off. Eh bien, je voudrais conclure en disant que quelque part, en créant ce deuxième département, eh bien, quelque part, je dis, il faut détaquer le Sud. Eh bien, quelque part, je dirais même plus, il faut absolument, en créant ce deuxième département, il faut absolument détaquer. Écoute, Elie, si tu m'obliges à dire une chose pareille, ne m'oblige pas à dire une chose pareille. Je ne te fais pas détaquer quoi que ce soit. Si tu insistes, j'appelle le GIR. Non,
Pas le chien, monsieur Tak, pas le chien. Comment, comment? Le bon coup à nous est gouvernement, la donne du gaz. Mais le bon coup à nous, l'adresse de Zéago pour en donneron. Chef en tête, Jean-Paul Ier de Saint-André. Avec son petit marionnette. Tu poudroux. Oh. Voici donc la réunion symbolisée par ce brinzel. Et je m'empresse de vous faire la démonstration pour vous montrer le déséquilibrage du Nord par rapport au Sud. Voilà la part du Sud. Voilà la part du Nord. Le gongon de souffrance. Et c'est pour toutes ces raisons que je dis, il ne faut pas diviser la réunion en deux. Et là, je suis d'accord avec M. Poudou, de toute façon, il répète tout ce que je dis. Oui, c'est vrai, Jean-Paul, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, moi je dis, il ne faut pas faire deux départements parce que tout simplement, je ne me vois pas faire la route entre Saint-Pierre et Saint-Denis et être dans les deux conseils généraux en même temps. Ça me paraît très difficile. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Vous savez, je ne suis pas citarane. Quand t'as ça d'un 22 chaînes, sans un mal la montée, quand le gouvernement la Fiona lit son 22 chaînes gratuites, parce qu'elle avait promis à lui. Or, une promesse, c'est un dette. Elle avait promis à lui son 22 chaînes gratuites. 22 chaînes gratuites. 22 chaînes gratuites. C'est vrai. C'est vrai que quelque part, on m'avait promis des chaînes gratuites. Et moi, j'ai été l'écho de ceux qui font les promesses. Et j'ai dit, effectivement, au Réunionnais, vous aurez des chaînes gratuites. Malheureusement, au plus haut niveau, on n'a pas donné les promesses. Hein? Bon, je me retrouve comme un con, parce qu'on m'a niqué toutes mes chaînes de télé. Et donc, moi, j'ai des comptes à régler. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses. Je leur donne rendez-vous aux prochaines municipales. Je peux vous dire qu'il y aura un gros baisement dans la cour Tamaya. Car beaucoup pensent, les fins observateurs, pensent que Freedom est mort. Eh bien, je le dis non, Freedom n'est pas mort. Attendez que je prenne le micro à la place de Madame Odd, de Bobby Christopher, et vous allez voir qui gagnera les élections à Saint-Denis. Ah, ça va être encore Freedom. Ça, je vous le dis, hein, ça va être Freedom. Putain, merde. Et justement, c'est sur ce radio-là que le peuple a détaxé votre langue. Vous n'avez ça que l'été pour. Vous n'avez ça que l'été contre. Et puis, vous n'avez ça que t'es mailles toutes. Eh bien, bonsoir, vous êtes dans Radio Doléance, c'est Bobby et Madame Odd avec vous. Alors, nous allons tout de suite nous diriger vers le standard pour prendre un appel au standard. Eh bien, bonsoir. Eh bien, je voulais tout simplement faire... une doléance à Madame Odd. Eh bien, vous savez, là, je suis pris au dépourvu. Je me présente quand même. Je suis présentateur météo. Et accessoirement, je fais de la pub pour les rouelles de porc. Les rouelles de porc. Les sarcifs pays.
Eh bien, j'aurais quand même une question à poser à Madame Hall. Eh bien voilà, depuis qu'ils ont refait la cartographie de la Réunion, malheureusement, je suis bien embêté parce qu'on m'a supprimé les vents d'Est et on m'a supprimé les vents d'Ouest. Il ne reste plus que des vents de Nord et des vents Sud, donc j'ai des problèmes. Oui, alors. Monsieur, si moi l'a bien compris à vous, on a des problèmes avec les vents. Oui, alors, on a un remède très simple pour les gaz. Vous prenez un peu de tisane à l'anis. Vous boire tous les soirs un petit peu et vous voir où le vent va passer. Voilà. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur, de nous avoir appelé sur le standard. Nous allons tout de suite passer un deuxième appel au standard. Allô, bonsoir. Et bonsoir. Je voudrais faire une déclaration et poser une question à madame Maud. Comme par rapport au premier et deuxième, et par rapport au deuxième département. Je voudrais savoir si, par exemple, avec un deuxième centre de culture, si avec un deuxième centre de culture, il n'aura plus ou moins de problèmes divisés par les plantaires par rapport au prorata des usiniers qui amènent les tonnes de canne et l'échantillonnage. Oui, alors, monsieur, Mille n'a pas bien compris votre question. Mais essaye, rappelle-moi tout à l'heure. Rappelle-moi tout à l'heure sur mon portable. Mais essaye de donner à vous une réponse, parce que là, franchement, dans ma petite tête, je ne connais pas si ma guerre répond à vous correctement. Au revoir, monsieur. Bobby, un autre appel. Oui, nous avons un autre appel au standard. Qui avons-nous au standard? Merci de nous le passer sur le standard. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Georges Marie. Non, mais mieux en tant que sur notre antenne, il fait des débats autour de la loi d'orientation. Bien moi, je voudrais donner mon avis parce que, mais tout ça, il y a des choses qui se disent sur cette antenne, mais vachement bien. Non, moi, par rapport à la loi d'orientation, il y a une mesure qui a été prise, mais tout ça, génial, moi, franchement. Par exemple, tu vois, où t'es? Comme élève, il prend l'avion, il dort dans l'avion La Réunion, et il lève en France, et pour ça, ou encore deux, trois, il a besoin d'un prime d'éloignement, baise ou de nénène. Ah, mais je dis, c'est un scandale, ça, cette histoire-là. Hein? Mais je m'en fous, si je me fais pas des camarades, je m'en fous. J'en ai perdu quelques-uns déjà, je m'en fous. Et tu sais que les pagotons, ils disent, ah, mais c'est une affaire. Eh, baise ou de nénène. Bien, merci. Merci, monsieur. Au revoir. Eh, n'avez point rien que bonne boucle connue. T'es qui appelle sur ce radio-là? N'avez aussi bonne vieux Gramoun. Vieux Gramoun, que l'avez peur pour un petit morceau la terre. Allô? Allô? Radio Fouillon, moi? Bonjour, est-ce que je peux parler, madame Gob? Oui, allez-y, parlez dans le téléphone, madame, vous écoute, posez votre question, monsieur. Oui, m'écoute à vous. Oui, madame Gob. Oui, moi, je m'entends, il doit couper l'oignon en deux, tout ça là, il doit mesurer, il coupe, tout ça là. Vous connaissez, moi, j'ai un petit problème là, madame. Oui, mais l'ami ne comprend pas vous trop. Non, mais parce que si je vais faire. C'est parce que là, les amis, dentier, la taille au-dessus. Donc, il comprend, il flotte un peu dans la bouche. Mais téléphone à où parce que j'ai un gros problème. Ben, parce que la semaine dernière, la DDE l'a envoyé une lettre pour moi, là, tu m'as comment. L'attrait, là, premier, deuxième département, n'est pas deuxième en terrain. L'attrait. Mais vous voulez l'attrait, il va être deuxième en terrain. Oui, mais alors, c'est quoi votre problème?
Mais madame Molle, c'est quoi mon problème? Mon parc volaille tombe dans le nord, mon parc lapin tombe dans le sud. Moi, les malaisés, non, moi, les malaisés, parce que des fois, mon imagination passe dans mon tête. Comme il debout sur la trime, les pieds au milieu, comme ça, là, nana, ça fait pas dans mon tête, oui. Vous imaginez un peu, un homme dans le sud, un homme dans le nord. L'aurait été alors. Oui, alors, monsieur, vivez un limaï recommandé. Et ça, un limaï recommandé. Oui, il vient de sortir. Vite fait un limaï recommandé avec accusé de réception, vite mettre tout dans l'enveloppe. Voilà, et vite poste avec le cachet de la foi, il fait foi. De la poste, il fait foi. D'accord? Oui, t'as mis un limaï recommandé, oui, la limaï, oui, il y a la limaï là, qui est caillerie dans la limaï pour faire coyer. Mais comment pas? Oui, mon impression, c'est quand même vous qui maille tout. Vi fait un courrier recommandé avec un email accusé de réception, tout ça là. Un email recommandé? Voilà. Avec un email de réception? Voilà. On l'a bien compris. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur, de votre appel. Nous allons passer à l'appel suivant. Bonsoir. Allô? Bonsoir, tout le monde, l'OETF sur le plateau. Mien temps y a chez Copi tranche la réunion en quelques morceaux. Mais viens entendre le monsieur qui fait pitié parce que la terre est passée son terrain. Mais moi, m'y provient. Si moi l'attrape, qu'il soit un bougla politique, un géomètre, un arpenteur, qui que ce soit, en train de mesurer quoi que ce soit sur mon terrain pour couper, pour séparer en deux, si moi la capaille y aller, mais trappe ces deux choses-là, m'y bat avec jusqu'à temps, il crie coupe pas. Criquez. Craqué. Bonsoir. Très bien, merci. Alors, ce soir, bienvenue en tout cas à tous nos invités à cette énième émission consacrée à un thème qui nous est cher ce soir. C'est la énième de Ça s'occupe. Et nous allons essentiellement parler d'éducation et de délinquance à l'école. Pour Oh,
Je disais donc que nous allons donc ce soir parler de délinquance et écoute-moi aller à l'école. Je disais donc que nous allons donc parler des... On va continuer au monsieur de l'Ariel. Le petit Macron est en merde à Pinot Esther. Mais pourquoi vous dites ça ensemble, moi ou monsieur? T'as la m'explique à où? Oui. Alors, merci. Nous sommes pratiquement entrés dans le vif du sujet, puisque nous parlions délinquance et nous venons d'être victimes d'une attaque en règle. Alors, monsieur, je profite que vous soyez notre premier invité à se manifester pour vous poser cette question. Quelle est votre profession? À moi, l'îlotier. Îlotier, c'est-à-dire que vous êtes chargé de la sécurité des personnes et des élèves aux abords des écoles? Hein? Non. À moi, l'îlotier, moi, c'est-à-dire, mitotos, mikoulis, milangue. Bien. Justement, à propos de Toto, Chikunish, Milanguette, vous ne trouvez pas que vous y êtes allé un petit peu fort avec le jeune homme dehors? Ah non, là il a la chance. Hein. Là il a la chance parce que me pédia là, à l'oreille, me pédia où, il y a 10 traps dans le badrin. Il va gagner 10 jours et 10 tétés à tout cacher. 10 jours, 10 tétés. Mais qui vous dit que ce jeune homme travaille? Non, mais pas 10 tétés, mais c'est-à-dire interruption temporaire de Toto, quoi. C'est-à-dire, là, pendant 10 jours, lui, tout t'os pipé, son ni là. Lui, tout t'os pipé, son ni. Mais à cause, je dis ça sans moi, monsieur. T'as l'air d'expliquer, oh. Très bien. Manifestement, beaucoup d'animation ce soir sur le plateau de Ça s'occupe. Nous avons avec nous aussi, s'il vous plaît. Nous avons avec nous ce soir un instituteur qui a accepté, malgré son handicap, d'être notre invité. En tout cas, on vous remercie, monsieur le professeur. Avec nous, une jeune mère de famille, hein, avec des enfants en âge d'être scolarisés, c'est bien ça? Oui, on a 4 enfants, on a 3 à l'école. On a un à la maternelle, l'autre est au primaire, l'autre est au collège, et mon plus grand garçon, il monte moto la journée. Enfin non, il monte moto. Comment ça, il monte moto, monsieur? T'as l'air d'expliquer, oh. Avec nous ce soir aussi un éducateur de quartier qui... Sac moine à vous dire, arrête avec ça. Oui. Justement, ça... en coulisses, en régie, on me dit de vous dire d'arrêter avec ça et que c'était franchement insignifiant. Nous aurons l'occasion de revenir à vous tout à l'heure. Alors, monsieur l'instituteur, donc bac plus 5, plus 2 ans IUFM, comment vous est venue cette vocation? Mais écoutez, j'avais le souvenir qu'un instituteur, c'était quelqu'un habillé d'une blouse grise qui faisait de belles lettres au tableau. Maintenant, à quoi ressemble un instituteur? Ils ont troqué la blouse grise contre un gilet pare-balles et ce que je regrette le plus, c'est qu'il n'y ait pas une formation au sport de combat à l'IUFM. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre première journée de classe? Ah, bien sûr. Je me rappelle comme si c'était hier. Je suis arrivé, je suis rentré dans la classe, j'ai dit bonjour aux enfants. Il n'y en a pas un qui a répondu. Je suis tourné, j'ai pris la craie, j'ai voulu écrire la date au tableau. Je m'en souviens, c'était un mardi. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai fait le M majuscule, Et ben là, il y a une lame de 15 cm qui s'est plantée entre mon pouce et mon index. Et là, j'ai compris que j'étais dans la merde. Ouais, très bien. Donc, on a bien compris, je résume. Vous étiez donc dans la mélasse, puisque nous sommes sur un plateau de télévision. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, qu'il vaudrait mieux qu'il y ait une série de mesures graduées par rapport à la violence. Expliquez-nous. Les sanctions, on a prévu des sanctions graduées pour les élèves, je veux dire. Mais ce qui serait bien, c'est que les élèves, ils adoptent la même politique vis-à-vis des professeurs, c'est-à-dire qu'ils tapent de façon graduée. Comme ça, nous, les professeurs, on aurait le temps de voir venir. Voyez-vous, ils tapent tout de suite sur la tête, ça fait très mal. Vous avez l'impression que les coups arrivent trop vite. Mais bien sûr, on n'a pas le temps d'esquiver. Très bien. En tout cas, merci de votre témoignage, monsieur l'instituteur. Le
manifestement beaucoup d'émotions sur ce plateau de Ça s'occupe. Nous allons maintenant nous tourner vers notre jeune mère de famille qui va, s'il vous plaît, nous parler de son expérience au quotidien. Moi, m'a dit Raoult, franchement, monsieur de la Ruelle, hein, m'a la fait les choses dans l'ordre. M'a la mariée et m'a la fait mes enfants. Maintenant, vous êtes divorcé, c'est ça? Pas tout à fait, non? Non, mais j'avais cru comprendre tout à l'heure en préparant. Non, non! Semaine dernière, mon bougla gasse à moi, puis ma coque, c'est immense. Puis dans son nom, dit père, maman! Hé hé! Avec le cœur, même ma daddy! Pas à moi, ou. Coque, ça! Hé hé! Oui. Manifestement, le public s'amuse de ça, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer, être plus explicite à propos du mange-pioche dans le nom du père? Mange-pioche, c'est mange-pioche. Oui, c'est vrai. Le nom du père, du fils, le nom du père. Ah, très bien. Donne froid, là, si tu comprends pas ma coque, ça. M'entraîne, garde télé, viens, ils appellent. As-tu mettre la pile dans la télécommande, là? Hé hé! Moi, ni. Très bien. Dis-toi, franchement, vois-moi, là, malgré mon petit revenu, là, mon enfant n'a jamais manqué de rien. Mon enfant a toujours été bien habillé, que ce soit le Nick, le Ripcul, le Didas, le Reebok. Mon enfant n'a jamais manqué de rien. Moi, mon plus grand garçon, c'est qu'il monte moto la journée. Ben, je suis monté moto. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Bon, peut-être on va éclaircir ça. Ça n'a le cœur sur la main, ça. Dernièrement, la gagne un petit clé gardien des poules avec un clé. Tout son salaire, là, c'est pour équipe la case. Ah bon. Franchement. Tu es gardien des poules. Oui, que ce soit le magnétoscope, le vidéoscope, le télétoscope, le tototoscope, manque pas moi rien dans la case. Et tu es gardien. Oui. La clé des clés. Oui. Et... c'est très intéressant pour suivre. Et en plus, Midiaou, franchement, mon enfant, là, ça n'est pas à Mali. Ça n'est pas l'alcoolique. Ah oui. Les sportifs. Si tellement il est sportif, allez avec son bon camarade la monter en salle de musculature derrière la case que t'es pas cool. Après, tout nu. Tout nu, torse nu. D'ailleurs, elle a sorti un mode. Mais la flatte, elle a acheté une chemise encore mettre dessus la semaine dernière. T'es mort torse nu. Mais non, mais là, il n'aura plus besoin. Mais vidéo plissière, zangui comme il est. Hein. Ça aura bien obligé, masse tout nu, quoi. Vous faites monter son musculature. Oui, oui blation. Me tue. C'est pour le muc, là. Oui, c'est ça. Bon, je résume pour les téléspectateurs. Je crois qu'il a monté une salle de musculation avec ses copains. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Exactement. Oui, alors? Alors, m'a dit Raoult, tout le matériel est neuf. Les dépareillés. Mm-hmm. Puisque chaque camarade l'emmène ce qu'il a acheté, mais les neufs. Ben oui. Hein. Il a tout acheté. Toutes les neufs. Ben oui. Ouais, forcément. Donne des pots la nuit qu'au trap. Je connais pas que c'est au trap. Hein? Non, mais Dieu est dépareillé. Oui, il est dépareillé. Qu'on est gardien la nuit, qu'on fait chier, qu'on est pas qu'on se trappe. Gardien la nuit, 35 heures de matin, mon bon travailleur. Réchauffé. Oui, alors, nous allons revenir à vous, madame. Parlez-moi un petit peu de votre petit dernier. Oui, oh mon petit dernier. Oh là 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 là, les beaux. Wouh, les beaux, les beaux, les beaux, les beaux, les beaux. Mais les vilains manières, les vilains manières, les vilains. Mais ça m'a donné l'impression que c'est la génération 2000 qui monte. Franchement, bonne maman, comme elle allait dire. Mm-hmm. Pourtant, mais comprends pas. Je la gagne même l'éducation. Je la grandis dans le même case. Je la gagne même maman. Peut-être pas même papa. Non, pas même papa. Perdre pas le temps avec ça, moi. Mais me dis, oh, franchement, maman, oui. L'impression c'est la fréquentation qui fait ça. C'est l'entraînement de la fréquentation. C'est-à-dire l'entraînement dans la salle de musculation? Non, de la fréquentation. Ah, de la fréquentation, très bien. C'est même, c'est l'entraînement de la fréquentation. Oui. Voilà. Sans compter. Bonne maman, il s'en va à l'école toute la journée. Il arrive le soir. Il est fatigué. Bonnes instituteurs hein, comme Bougla. Il y a d'autres enfants de voir pour faire. Et avec ça, il dit le moment aide. Comme si je n'ai rien que ça même pour faire. Mon enfant fait devoir. Moi, hein? Hein? Et mon canal plus, mon parabole, hein? S'il vous plaît, hein? Mon satellite. Hein? Il paye ça pour rien, quoi. Il paye ça pour rien. Oh, mon c'est bon, madame, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Merci. Revenez là, la caméra.
vous en prie. Venez là. Bon, y a pas de problème, c'est pour les caméras. Remettez-vous. Merci. Je vous rappelle que nous... Je vous rappelle que nous sommes en direct pour Ça s'occupe et nous parlons ce soir de délinquance juvénile et d'éducation parentale. En tout cas, merci de votre témoignage poignant. Madame, je vous remercie. Nous allons maintenant nous tourner vers notre éducateur de quartier. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un fidèle de cet adage, que la musique adoucissait les mœurs. Oh, oh. Ben, non, ben moi, comme j'y arrive... Quand il arrive dans mon quartier, les gars vont arriver. De toute façon, les gars, ils connaissent à moi, c'est un gars. Le qui comme Vanny dit, comprends? À moi, quand il arrive avec mon guitare dans le quartier, comme il a mon. Comme il a mon dos là, les gars, ils connaissent, moi, l'amène de la paix dans le cœur, comprends? D'accord. De toute façon, à moi, mais dis-moi, histoire de reprendre un de mes grands maîtres penseurs, hein. La musique, c'est le seul affaire, il y a adoucit les meurtres. Pardon? Non. Non, non, la musique, c'est le seul affaire, il y a adoucit les meurtres. Non, non, monsieur Dariel. Ce que lui voulait dire, c'est que la musique adoucit les mœurs. Ah non, non. Peut-être, non, peut-être pour vous qui êtes plus proche du mammifère marin que de l'homme, mais on dit en principe la musique adoucit les mœurs. Mœurs qui vient du latin morsus, qui veut dire absolument. Art de vivre. Absolument. Permettez-moi, de vivre, monsieur d'Arby. D'ailleurs, ça me donne où l'art de vivre. En tout cas, merci. Merci beaucoup de votre éclairage, monsieur le professeur. Merci beaucoup de votre éclairage. Je me tourne maintenant vers le fait noir. Hein? Vers quoi? Quoi? Vers quoi? C'est un jargon télévisuel. Hein? Un quoi? Un jargon télévisuel. Mais ça, quand il vous rien. Vous avez la chance, ça, ben, mon vous rien. Ça, quoi, ça, avec les guerres. C'est un jargon. Oui, revenons à vous, notre éducateur de quartier. Tout à l'heure, vous prépariez l'émission avec moi et vous disiez que vous étiez fasciné par les très très grands guitaristes, qu'ils soient de jazz, classique ou de rock'n'roll. Est-ce que des gens comme Jimi Hendrix, Carlos Santana ou Peter Frampton, Eric Clapton pourraient être vos idoles, sont vos idoles? Ah, jamais, man! Mais parle pas où j'ai mandoline, moi, là. Jamais. Vous mélangez toutes affaires, là. Ah, moi, il parle au bon vrai joueur à guitare comme Francis Cabrel, Yves Diteuil, Lalanne, le son, quoi, guitare man, quoi, que ça fait, là. Très bien. On vous écoute. Sac mon à vous dire. Arrête avec ça. Sac mon à vous dire. Arrête avec ça. Voilà, merci, on l'a bien compris. Donc votre chanson s'intitule Arrête avec ça, c'est bien ça? Merci. Non, 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 c'est international. International, c'est, oui. C'est Stop with that. Très bien. En tout cas, nous souhaitons bonne chance au prochain CD de Stop with that. Ok, merci. J'aimerais, merci. Avant de conclure cette émission, vous poser à tous une dernière question. Selon les dernières statistiques de l'INSEE, il paraîtrait qu'il y ait à peu près 30 à 40% de montée de violence à La Réunion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La violence, et vous, au quotidien? Moi, c'est un non-violent, moi. Moi, personnellement, moi, c'est un non-violent. Mm-hmm. Moi, quand il y a un problème pour régler, c'est la main. Ah oui, c'est la main, la main, la main. Bon, de temps en temps, il y a un coup de pied dans le pied à mettre ma main droite, hein. Mais moi, c'est plutôt la main. De temps en temps, le pied, mais la main que le pied, quoi. Très bien. Moi, c'est polyvalent, moi. Pied, main, main, pied. Main, pied, bien. Très bien. Et vous, madame, en tant que mère de famille, je présume ouais, que... Ouais. Non, en tant que mère de famille, ouais. Moi, déjà, on n'a pas du tout d'armes à faire mon cas. Mm-hmm. Pour dire, on ne sait jamais, t'as l'air en train de garder la télé, ma mère, la passe devant, mais si je n'ai plus, je me baisse, elle balle, ouais. Mm-hmm. Ça ne dérange jamais. Qu'elle garde mon télé, donc par rapport à ça, ma point, on n'a rien qu'un manse-pioche. Il peut servir, il peut servir un manse-pioche, mais moi, elle est non-violente, sauf le manse-pioche. Très bien. Une pulsion violente, tout ça. Les... Et vous, je présume, monsieur, que vous êtes moi, non. un pacifiste. À moi, pas du tout comme moi. Je pense c'est... Non, on veut dire... À moi, de toute façon, comme il arrive dans un quartier, on fasse bonne jeune de maintenant. Comme il traîne mon guitare, il râle mon dôle. Ben, le maman, il connaît Manique parler de pays d'amour. Ici, à Paris, rien, ça bataille comme ça, vous comprenez? De toute façon, moi, il dit toujours, histoire de reprendre une grande phrase d'un grand maître à moi. Je t'aimerai, je t'aime, je t'aimerai. Et la meilleure défense, la contre-attaque,
C'est ma guitare. C'est avec ça qu'ils causent avec les jeunes. C'est que ça me met les choses alors. Les gars respectent la guitare. Ah, les gars, ils connaissent. Moi, mon guitare, là, c'est un affaire des gars qui connaissent ma guitare. Là. Mm. Faut les de toutes. Oh, très bien. C'est un moyen comme un autre. Et vous, monsieur l'instituteur? Je voudrais retourner à l'hôpital, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, on a commandé l'ambulance qui viendra vous chercher tout à l'heure après la fin de cette émission. Merci en tout cas de votre attention. C'est la dernière de Ça s'occupe. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà. Non, non, vous affolez pas. Non, vous affolez pas. C'est rien. Non, vous affolez pas, ça va. Venez là. Oui, allô, vous connaissez le téléphone à moi? Votre frère? Il a fait l'accident moto. Il a gagné un galet dans le front. Qui ça? Il a envie de m'emmener à l'hôpital? Un bon docteur, ça? Hein? Vaut mieux m'emmener mon manche, pioche toujours. Nous les pas pour la bidep, bien au contraire. Nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep, bien au contraire. Nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep, bien au contraire. Nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep, bien donc mon frère. Nous les pour. Quoi pour dire là? Vous connaissez pas moi, dis-moi, viens crier moi. Qu'est-ce que vous dites là? Mais dis-moi, viens donc mon frère, mais tu viens donc mon frère. Mais c'est pas bien donc mon frère, c'est bien au contraire. Mais pourquoi c'est pas moi? Dis-moi, viens crier comme tu cries, après pas content. Bon, t'es les gars, allez, alors on monte ça, hein. Allez, bon. 1, 2. Nous les pour la bidette, nous les pas pour la bidette, bien au contraire, nous les pour la bidette. T'es, qu'est-ce que ça? Mais qu'est-ce que ça pour faire où là? Moi là? Moi, je fais ça en soprano, moi. Ah, ben, si le prêtre la messe, là, dis-moi, fais ça comme ça. Ah, hein, d'accord. Les gars, allons essayer de faire ça en canon, hein, le bon? T'as l'air, c'est moins besoin un canon de drogue, là. Ou as-tu un chantier de canon? Non, regarde la tête, le canon. Ou de papa, t'es sous la fille, ou c'est un canon barachois, quoi. Regarde l'autre. L'autre, les boucs viennent manifester avec la bière. Eh bien, tu gagnes la bière tout de suite. Mais c'est mieux faire manifester que la bière. Hein? C'est tout un rentier que moi là. Je connais pour qui m'y boire la bière, ça? Ben non, ma cause. Ben dis-nous. Hein? M'y boire la bière, moi, comme ça, mon bout c'est Kim. Bien sûr. Hein, mon bout c'est Kim. Gendarme, quand il m'a fait une crise d'épilepsie. Jamais, n'a pas une couche, moi, il y a raté moi, ça l'a permis mort à zot là. Ouais, que moi là, il casse pas les cuits, moi, mettre zot carré, moi. Aïe. Ah, oulala, dès que vous n'y baisez un bien, on finit des passes à dose modération, ou les prêts manifestent qu'en tout moment. Calmons, mon coué. Ah oui. Quoi, trop bouglade. Eh bien, je me renseigne, très bien. Bonjour. 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 Manifestant. Ah ouais. Ouais. Manifestant pour la bidep. Hein? Contre la bidep, alors. Hein? Non. Mais c'est pourquoi? Le contraire. Le manifeste le contraire. Non, le contraire. Le contraire de quoi? Le contraire. C'est le contraire. Voilà. Le contraire. Oui, monsieur le préfet, ils ont dit le contraire. Le contraire. Le contraire. Du contraire. Le contraire. C'est-à-dire le contraire. Voilà, le contraire, monsieur le préfet. Monsieur le préfet comprend. Je comprends tout ça. Allez les gars, on reprend. Ouais. Nouvelle égalité, Jali. Nouvelle égalité, Jali. Nouvelle égalité, Jali. 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 Ah, vous criez pas? Madame, il crie? Madame, vous criez? C'est un ben, moi, il comme là. Alors, il met à où dans le cas, il bat un journée de travail à tête, dans où est casquette, dans où banderole, calico neuf ou porté, dans où sandwich, il vient crier, vous ne connaissez pas pourquoi vous criez? Mais maman, il crie? De toute façon, pour que là, il ne connaît pas rien, ça. Ah, comme je connais fait, ah, vous connaissez pourquoi ça, vous criez ou? Mais maman, il ne connaît pas, de toute façon, c'est pas mon tour pour crier, ah, couillon. Ouais. Alors? Ok. Non, mais écoutez, comme ça, vu d'œil, je dirais qu'il y a.
2000 manifestants. Hein? Combien on a tué? Combien? Non, je voulais dire, monsieur le préfet, deux fois 2000, soit 4000 manifestants. Ah, bon, alors Gagne compte, alors. T'as vu ça? Garde le poupin. T'es les gars. Mais qui c'est les femmes là? Ça? Ça, c'est madame Ergé, ça. Ergé? Ben. Arrête à tous les dons! À cause! C'est son boucle écrit à l'intérieur là? Mais non, espèce graine touffée, EAG, renseignements généraux. Mais quand c'est que ton bouche Macron? La prochaine coup va causer avec mon qui, comme ça on va comprendre. Les gars, les gars, les gars. Mais ça a dit ça, t'es que malin, que ça a fait là. Mais quelle est la solidarité dans le groupe là? Ouais, ouais. Soit ça va soit un banderole, l'unité, ça pour bataille, t'es à la gire. Mais non, mais ouais. Bon. Allez, nous ça va. Ouais. Allez, les gars. Ouais. Camarades. Ouais. Autant que nous sommes. Ouais. Nous représentons un force de proposition. Ouais. Nous propose, nous propose, nous propose. Camarades. Ouais. Ouais. Ouais, quoi. Mais pourquoi les banques que jouer, mais jouer. Après que jouer, jouer. Mais moi pourquoi on dit rien? Mais ouais. Ouais, mais laissez-moi finir causer. Mais ça, je dis pas, ouais, qu'on venait dire, waf, waf. J'ai joué, beaucoup joué, joué. On apprend. Allez. Camarades. Ouais. Autant que nous sommes. Ouais. Nous représentons. Ouais. Une force de dissuasion. Ouais. Nous dissuasons, nous dissuasons, nous dissuasons. Écoutez, les gars, nous sommes peut-être une force de proposition et de dissuasion, mais ça va être un ninjana quand tu peux faire tirer. Ça, c'est une force d'engagement, ça. Attendez, coula, que ça l'a fait là? Il perd la bête, quoi! À cause! Hein? Bon grenade pine, no ball, la meilleure là, ou kaki, quoi! Il faut un port d'armes pour ça, quoi! Doffé, nous mettre ces autres là! Mais bon! À ça, mettre ces autres, Doffé, moi, je me sors de la bière! Mais bon, ramène deux packs pour moi! Des packs pour deux packs! Moi, juste deux bouteilles, des canettes! Moi, pas 7 packs, 7 packs, moi, tout seul! Hein, les gars, la manière, moi, là! La vie bête, tant de fois, anglais, j'ai ni! Mais fais chier un camion de dos à mon route en jambes. Voilà, les voilà, c'est voilà, tout ça. Okay. Les bons, bon. N'oublie pas. Non, les bon. Nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep. Bien au contraire, nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep. Allez, mets-toi fait. Bien au contraire, nous les pour la bidep, nous les pas pour la bidep. Bien au contraire, on les pour la bidep. C'est bon ça, c'est bon fort, là ouais. Ouais, madame, ouais. Nous mets-toi fait. Ouais, ouais. Nous mets-toi fait. Oui, on assume s'il vous plaît, on tient ces panneaux jusqu'au bout, allez, hop, on assume s'il vous plaît madame, on assume, oui, non, les manifestants se sont dispersés dans le calme, sur place, il ne reste rien que trois couillons, oui, mais c'est très bien. Un jour de travail fini. Là, je suis fatigué. Là, je suis fatigué, Ben, il n'y a pas personne dans la case là, quoi. Ouais! Il n'y a pas personne? Là où arrive, un café même pas chauffé. Là, je me dis, oh, personne pas les coups. Là, tu es tout devant le télé encore. Il n'y a pas personne? Pendant que ça, vous me gardez un coup, mon résultat, tu sais, ça se trouve la pète dans le mille, demain matin, pas besoin de lever pour le travail. Ça va sans un chez Bouc, ça. Un chez Bouc, machine, ça. Un bon pied, si j'étais là demain matin, j'ai dit, ben, quand il m'a joué l'auto à soir, demain matin, il se pète. Pof! Où sont tes commandes? Hein? Quoi? Télécommande dans une boîte chipéwa? Le télécommande dans une boîte chipéwa. Ben, quand il m'a joué, là, il faut rod. Ben, quand il y a un télécommande, il met ça dans une boîte chipéwa. Quand il faut mis, il va manger ça par un carré chic. Regarde là. Télécommande dans une boîte chipéwa. Elle commence comme une race chipéwa là. Oui. Là où sort le travail, il arrive votre case. Ou un état de chauffer assise du salon. Non, oui. Là, il est assise. Après, il y a les démonstratreuses. Comme ça, même midi. Hein, démonstratreuse. Il arrive, il dit, vous voyez,
Ça, c'est une boîte. Non, sans oublier le silicone, tu as là, hein, parce que... Tu prends le bois de tisouf. Ça s'ouvre. Tu prends le bois, tu fermes, ça ferme. Non, bonne forme, moi, je explique à ça de longtemps. Quand tu fermes, c'est hermétique. Non, mais t'as l'air, moi, j'ai dit que ça me fait germe avec lui, là. Ben, n'importe quelle boîte, quand tu ouvres, il ouvre, quand tu fermes, il ferme. Hein? Toute boîte, les hermétiques. La parie que tu peux voir, comme ça. Et ça, rien. Là, tout le temps de chauffer, la réunion finit, là. Après, il faut utiliser le matériel. Là, il fait gâteau. Oui. Un bouteille de gaz, au prix, finit arriver, elles sont ensemble. La passe, tu payes. Le macro, ben, tu travailles comme matin, c'est moi. Hein? Là, tu peux battre la main, hein, bon, pile comme maintenant, là. Soutiens même le vice. Hein? Après, là, il remplit le gâteau. Il remplit, après, il dit, ma fille m'a hanche. Ma fille m'a assez mangé, regarde ça. Là, après, quand il a fini, il pousse tout de même sur le côté. Il met le télé en masse à cette malika tonique. Et un, deux, trois, quatre. Mais ma fille, toute la journée, assise, mangement. Après, elle fait malika tonique. Mais jamais, ils font une pizza. Ça paraît bon iceberg là-bas, Paul. Non, ils font une pizza. Jamais. Ah, bonne femme là, mais je, franchement, moi, c'est à demander à faire bon Dieu, pas que tu perds un temps. Non, parce qu'elle perd un temps. Non, ben. Marie, filme là, moi, le train, je filera trois fois. Moi, je me suis demandé à faire bon Dieu, pas que tu perds un temps. Tu as un zoo dans le côte Adam pour faire des affaires comme ça. Moi, je me suis dit, depuis mon aîné, moi, la mère des femmes. Depuis mon aîné. La cam avait 6 sœurs. Avec mon moins, il fait 7. Je t'imagine le calvaire. Depuis mon aîné, il faut me chiffrer moi. Moi, la mère des femmes, je me suis dit, la casa, toute la couillonise, mon moment, c'est TV. T'es moi, t'es gay, moi. Je femme, ma sec femme. Ça. Mais je avec ça, 6 sœurs, 4 ma tante, 17 cousines, 24 tignes, un marraine, un grand-mère, des arrière-grand-mère. Ah, ma gueule, de quoi femme t'es? Ça rien, ça. T'es 2 silos bancs, 4 et 6. T'es la 20 vieille, t'es au boss, tous les mercredis pour midi. T'as des trappes, bonjour, t'es d'école en l'air, on va venir apprendre ton catéchisme. Tu comprends pour que mienne femme? En plus, service militaire. Tout le monde, camarade, l'a fait. Mais je m'a fait aussi réformer. Pourquoi? Pour faire soutien de famille, mon bon, c'est. T'es la vieille rue de poil, là, mais. Ah, 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 la belle famille rit même, ça. Ah, 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 ah. Avec ça, dans mon travail, depuis des fins, mon patron l'a échoué. Pour ne pas dire que les morts, qui ça là reprend la tête de l'entreprise? C'est son enfant. Au thé, lendemain, l'enterrement, femme là, la rentre dans le réfectoire. La tière photo, ça craquait en l'air, la même photo, madame du bassin. T'es bossé, ça va comme ça. Pas plus tard que ce matin encore, ce matin, grand matin. Ma partie passe ses contrôles techniques. Et, non, ça, c'est visite médicale. Visite médicale. Au thé, je te dis pas, c'est une femme qui fait pis à moi d'un bocal. Hein? Ne vous savez, ça va comme ça. Mais non, mais dit que ça. Quoi? Hein? Ou ça porte plainte avec Get Bello? Allez, ouais, Get Bello, madame Maud, le mari Joséba, tout. Oui, je tout prends ça qu'un cheval. Femme et l'écurie d'Amazon. Dis que c'est un gay, prête à te son linge en cuir. Viens, baise-moi, claque, viens, viens. Viens. Non, maintenant, femme, je suis dans la case, mais j'ai bandé. Ah, 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 ah. À moins que ça travaille, je. Oui, c'est où, comment? Quoi, moi? Oui, il est bon. Fais qui ça, tu veux?
T'es malheureusement, je me dis, là, on m'a aidé, il faut me le pester que ça. Parce que la science, moi, non encore. Ma trouvé, moi, j'ai fait 4 filles encore, moi. Ah bon, Dieu, regarde, moi. La vie m'était une femme. Elle dit, donnez 4 filles, voilà. Donnez coup, madame, dit, on fait 5, peut-être 5 garçons. Je me dis, oh, oh, oh. Ça se trouve, c'est encore 5 filles en tout, moi, même bâti. En moi, tu as travaillé pour 5 après, pas bon. Non, mais pas regardant, moi. Mais comme que ça. Même moi, je me dis, franchement, ouais, le petit femme là, ouais, moi là, dit, il sait rien. Que ça, le bonne femme, il fait encore la journée. Ça, le jeu vidéo là. Là, moi, on a 4 chimacal là, toute la journée devant la télé. Tomb Raider. Moi, ça a demandé si mon japonais avait autres qui pour gratter pour inventer ce Tomb Raider. Ma femme dit, le journée est en crise. N'aura ni Tomb ni Raider pour que l'hôpital la nuit. Ça nous même parents, mais des bonnes mamans, il y a l'idée qui a écrit depuis les petits. La Thierry, mais tu sais comment moi j'ai. Maman, il jette la journée, il me dit, okay. Tomb Raider. Ça rien, ça, Tomb Raider. Devine les autres qui savent faire l'éducation, maman, dans la case. Devine qui savent faire l'éducation, maman, dans la case. Il y a un autre là, ça le Lara Croft. Des fois, mes yeux un peu ici. T'es Lara Croft, mon. C'est lui qui fait l'éducation, maman. Mais ma femme me dit que mon madame, elle a dit pas rien quand maman est en jeu, elle a dit une affaire, mon. Il m'a dit de pétard, là où vient de sortir, ou là, parti depuis grand matin, ou là, ça se trouve à sortir. Ah oui? Ou vient d'arriver, ou a dit qu'elle a pris vite qu'on arrive. Mais maman me dit, ouais, NC4 l'a dit, le Lara Croft, le Xena la guerrière, le pet femme Chipewa, le pet femme est là dans la salle, le pet Macal qui est là dans l'occasion. Viens, baise moi un cac de mon gueule. Viens, viens. T'as qui m'appelle Lara Croft? Dis, viens. Ça va t'aller, quoi? Non, viens, écoute, moi. Jazot, viens. Quoi la fée, les filles? Ni vent, Jazot, quoi? Ah, où? T'es pour cacher qui, d'ailleurs? Canard, les noirs. Non, mais t'es pour cacher qui, maintenant, moi. Debout! Tape moi donc! Mais ça mélange ou de blanc et coup de jaune! S'il te plaît! Game over! Thank you.
T'es le bon, le bon, le bon, le bon. Arrête de battre. Mais battre, tu m'y vais, moi. Ça allait à moi, ça. Mais battre pas si c'est déjà de moi. Mais là, entièrement d'accord, écoute, mais... Monsieur le maire, ça commence à causer, donc quoi, arrête. Ma, pas là, le maire, qui me manque la carte, le maire, quoi. Arrête, j'ai des ordres, là. Le maire, j'ai un bout comme moi, lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers concitoyens, c'est avec une grande fierté que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui cette œuvre d'or qui est le fruit du travail, de l'imagination d'un grand artiste du Paraguay. Son manteau et son burin ont su tracer de façon indélébile ses pulsions les plus profondes et cette roche prélevée dans le lit de nos rivières traversera le temps et témoignera aux générations futures il pas faire être l'attachement sorti. Que le peuple réunionnais tient à montrer. C'est pas mort, ça? Oh là là. Non, mais les gars, ils déconnent, ce monté. Quand ça... Mais le lèvre est dame, même pour qu'il ne guérit, les gars font craser qu'un gros galet. Ah, pas possible, tête salée. Regarde ça bien, donc. Regarde ça bien. Tu vois pas c'est le galet, le lèvre d'art? Non. Que ça? C'est ça le lèvre d'art? Mais c'est le galet. Un galet bois de mer? Bah, un galet bois de mer. Non, ça fait comme moi tout le temps, fait comment, moi? Le gars, il fait une affaire comme ça, ou quoi? Un galet bois de mer? Ouais, ce vulgaire galet, là. Vous connaissez que ça, ça représente, tout ça? Explique-moi. Non, les vraies valeurs de ce galet, là. Ah oui. Ça, bonhomme. Ça s'appelle de l'art. Ah bon, ça, de l'art? Oui, de l'art abstrait, il appelle ça. Ouais, ce galet, comme on regarde, les vulgairement parlant, non. Faut essayer. Causer que ce galet-là. Ah bon? Ouais, ce galet-là, il dégage ouais, une passion, un amour, une profondeur qu'on a même pas idée, bonhomme. T'es les magnifiques. Faut causer que lui, alors. Les magnifiques. Là, il cause, c'est cool, là. Ah bon, faut causer que lui, alors. Pas que ça, ton frère, bien? Hein? Là, manio, vous dites moi, le galet n'a fait vous dites moi, hein? Quand vous avez un coup d'aller, il y a autant de causes écoulées là, on comprend même pas. Non, mais écoute, Ali, il connaît toutes les affaires, il connaît toutes les affaires, Ali. Il a fait des études, Limouna, pas n'importe qui, ça. Comment tu dis? Ah, ça, les galétologues, hein? Ah, où tu foutes, on peut garder pour, hein? Ouais, ben moi d'ailleurs, voudrais dire parce que par rapport, faudrait que midi, parce que m'envie de dire, parce qu'il faut Alice, midi que. Oui. Prends l'élan, midi. Ah, oui. D'accord. Parce que par rapport, maman a vu l'artiste que la taille, ce galet-là, ouais. Et moi, je trouve l'artiste, il est beau. Hein. Ah, il est beau. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, le galet, il est beau. Aïe, 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 bon. En plus, ça me dit, il y a des mains, à son main, parce que me dit, parce que à son main, parce que par Alice, rapport. Alice, dis, s'il vous plaît, arrête. Parce que ouais, ma garde, ma gala, a des mains graciles, subtiles, volubiles, fragiles. Hein. Le jour où un père de main gracile, volubile, subtil, fragile, diamant, m'a acheté ma besoin, calotte avec. Hein, arrête avec ça. Tu vois, l'artiste, les boules, des mains graciles, subtiles, volubiles. Hein, j'avais là un bouchon par litre d'eau. Hein. Ouais, parce que me veut dire, parce que ouais, gala là. Aïe, gala les beaux, gala les beaux, parce que par rapport au faux midi, parce que par rapport à un gars comme Ala, ah, moi, il donnerait bien mon cœur pour tailler de la pierre, moi. Ah, mon cœur. Ah, non, cousine, dis pas n'importe quoi. Parce que pour donner le corps pour tailler de la pierre, là, mais excuse-moi, il faut le gars, il prend un joli pan là où t'en corniges, hein. Ah, oui, la pierre, hein. Ah, et en plus, il faut lui lève bonheur parce que. On a galé pour tailler là! Ouais, bien sûr, de toute façon, on graine parce que c'est moi, hein! Quand il a fallu tailler la figure de la Marianne, la banane roche cap là où c'est personne, pas trouve rien pour vous dire, hein! Ah non, il a fait tort! Ouais, c'est parce que mes enfants fait tchaa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 
Ben, non, parce que la sœur passe con en même temps. Ben voyons. Ouais, gars. Si la rente la mairie part à concours, hein. Ah ouais. Non, mairie, qu'en folle pas. Si votre femme la passe au concours pour vous. Ah ouais. Tu connais pas ça, ouais. Ah oui. Parce qu'il y a concours, alors. Non, mais les vrais, les gars, hey, là, la mairie, pour perdre, il faut faire n'importe quoi, là. La finie de vote, trois budgets primitifs, rien que pour mettre un roche d'un rond-point. Ouais, encore un roche bois de mer. Non, les gars, je suis pas d'accord avec vous, moi. Je veux dire, il faut pas regarder cette œuvre d'art comme ça. Je veux dire, il faut prendre du recul par rapport à ça. Écoute, Ali, il a compris. Non, mais normal, c'est bonhomme, tape la bonhomme. Tape la, bien compris, lui. Bon frère le maire. Non, pas grave, mais viens. Bon frère le maire. C'est pas une œuvre d'art qu'il faut regarder comme ça d'un seul bloc. Il faut prendre du recul et se dire, cette œuvre d'art témoignera de notre savoir-faire aux générations futures. Eh. Qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, nous prenons du recul. Tu prends recul, mieux recul, moi. Ah, ben non, mais recul encore un petit peu plus, tant qu'à faire. Ah, ouais, là, il voit. Gag. Eh, regarde bien, Esther, là. Là, tu vois pas ça, ça de l'argent. Et tu vois pas ça, ça de l'argent, là, passé? Quoi, mon argent? Mon argent? Ouais, mais je me souviens pas avoir cotisé à Pagbana. Ah, mais t'en as pour ça, moi? Ah, mais jamais cotisé quoi que ce soit à Pagbana. Elle a passé l'enveloppe à la mairie et puis mettez pas là, me en congé maladie. Eh, ben, oula, tout le temps, oula, en congé maladie. Garde pas où? Et en tout cas, les gars, regarde. Regarde, pas moi. T'es un journaliste, oui. Ah, ouais. Ah, oui. Le quotidien, témoignage. Hein, on a même le mouche carné Farah, regarde ça. Elle est partout, ça. Elle est partout. Qui c'est le petit caméraman, il camoufle, il ne connaît pas lui, moi. Ça sort ça, Zorolan Gros Pat. Non, il camoufle, il là, il cachette là. Quel? T'es là-bas là? Ouais, cachette, comme il monte dedans. Ça, Zafia, là, ça. Comment on va une caméra? Attends, l'autocollant, tu. Combien ça coûte? Aïe. Ça aïe, encore, aïe. Hein, l'émission, ça fait gagner la honte, la Réunion, ça va y voir. Il passe en France, hein, hein ça, l'argent passe pas à tout, ça, ça il passe pas à tout, ça. Il passe en France, filme ma caméra, ça passe en France, hey. Arrête les honte, pas arrête les honte, t'as tout. Hé, tes caméras, filme-moi, inquiétant, filme-moi. Oh, filme quoi, assise à où? J'ai filme à moi, tu vois pas en train de faire un sujet sur l'argent public gaspillé, filme à toi. Bah moi, je suis l'argent public gaspillé. Les gars, les bons, arrête de causer. Le mien, ça termine son discours, là. Ah ouais, toujours même limonade. C'est quoi ça a dit? Mais pas hier, qu'on s'est dit. C'est sensationnel, restera gravé dans ma mémoire. Un échec de mémoire. Et depuis le temps, les graves affaires dans son mémoire, m'a demandé si c'était pas un disque dur à 150 mégabits. Ah ouais, de toute façon, il y a un problème, lui, tout le temps. Solennel restera gravé dans ma mémoire. Allez, l'enquête. Soulage, hein. Eh bon, assez. Assez vous aussi. Là, il vient plus. J'ai déjà donné. On veut mieux d'aller ouvrir. Je m'y vais. Je dis merci, hein. Merci. Tiens-moi, s'il te plaît. T'es prêt, j'ai une bouteille de l'eau, quoi. Hé, aïe. Aïe, quoi. Tiens ça bien. Merci. La prochaine fois, tu te bouques, tiens. Tu es fatigué à moi, la rente service aussi gagne. Puis tiens, monsieur. Quand il est garçon, madame, lorsque. Laisse-moi tirer, moi. De toute façon, il n'y a pas fait rien, client. Ah, que c'est soldé le pied comme ça. Je veux le macro, tiens. D'un gueule de l'eau. Comment on demande ça? Merci, Thierry. D'un gueule de l'eau, s'il te plaît. Ah, bon, on a envie, mon souvenir. Merci, macro. T'es là obligé de boire avec ton bel lèvre comme ça? Non, je sais pas, moi je me bois pas avec mon bel lèvre et avec mon gueule là. Hein? Pourquoi t'as mis ton gueule, ma boire avec? Oh là là, je l'ai fatigant! Fais ça, allez, ça, quelle est la vraie cuisse, ça? Eh oh, à chaque fois, il arrive en coulisses de vilaine manière, reprend dessus de toute façon. Et ça, il va tout le monde sortir, mais que ça, tu gagnes jamais. Tu mets ta salle à l'ordre, va. Ah oui, j'ai pas acheté, j'ai fini. Tiri, quoi fait? Y'a quoi comme sketch après? Mais quoi, y'a pas si autre problème, merde, où ça? Eh, écoutez,
Ce matin, j'ai reçu un courrier des instances culturelles. Et pour une fois qu'ils nous écrivent, hein, je vais vous lire la lettre, vous allez voir, ça vaut le détour. Écoutez bien, hein. Afin de promouvoir le patrimoine culturel de La Réunion, nous montons au cours de cette année 2000 une comédie musicale qui mettra en exergue... qui mettra en évidence... Voilà, donc, qui mettra en évidence le talent et la richesse de notre département. Ouais, mais lequel, stop. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, la question ne se pose pas. Le jeu a 200 gouttes. Je continue. Aussi... Nous vous informons que tous les membres de votre troupe sont retenus dans la distribution de cette super subvention. Super production. Ouais, mais les deux marchent avec ça. Oui, je sais. D'après une idée originale de Jacques Zambaville de l'ODECA. Ouais, mais quel est l'ODECA là? L'ODECA? L'Office décalé de la culture. Ah quoi, les décalés alors? Oui, non, parce qu'avant. Une décalé, tournée à l'étranger. Étranger? Ça. Eh bien, en France. Je disais donc une tournée à l'étranger entièrement à vos frais sera programmée au cours du deuxième trimestre de cette année et nous vous conseillons par conséquent de prendre vos dispositions auprès de vos employeurs respectifs pour que vous soyez libérés de vos obligations professionnelles. Ah oui, là où vous êtes comme moi, là, mis à la NP, mais demandez un congé. Hein? Non, mais on aura l'aide quoi. Oh, Harry, là-bas, demandez un congé, s'il te plaît. Mais tu l'as aimé sans congé. Puis, mais veut dire, par exemple, ça va à l'étranger en France. Oui. Avec la chance que Manana. Étranger en France. Ou peut-être sûr, comme ça rencontre Garou. Voilà. Et comme ça chante avec Patrick Fiori, c'est sûr. Ça chante avec Patrick Fiori. Patrick Fiori chante avec n'importe qui, comme là. Mais bien sûr, chérie. Bien sûr, Patrick Fiori chante avec n'importe qui. Oui, oui, avec n'importe qui. Oui, mais pas avec n'importe quoi. Mais pour quelle raison les gars n'iraient pas aller en France, lui? Là, jamais j'ai gué parlé, là. T'es, vous avez entendu, fait bimidom pour chanteuse ou? Et même s'il avait bimidom pour chanteuse, qui s'est payé pour aller voir aller chanter en France? Ah, moi non. Les gars, mais attendez, couva, oh. Mais réveille, ça t'es un coup là. Mais c'est quoi qui est à nous, artistes là? Là, vous êtes que pour vivre, nous. Qui nous besoin ça, quoi? Vous connaissez de quoi un artiste vive, ça? Ok, pas moi. Hein, je te connais? Pourquoi? Attends, maman, t'as de quoi un artiste vive, moi. Ah! Intéressant. Ah oui. Voilà là? Là, mon ventre est plein? Ah oui, le ventre est plein. Là, voilà là? Là, le jabot est plein. La main est calée là. Merci à ça. Dessert. Hey, ah! Ça va lui dessert, Lyon. Merci. Ça dessert, ça. Eh, ah, hey, ben, les bons. Hein, la hâte, il vit avec ça, là. Ben, les bons, écoute, hein. Un de ces quatre, là, m'invite au restaurant. M'a pris un gros assiette manger comme ça pour moi. Après, m'a battu la main pour vous. Voilà. Mentalité zéro. Ouais. Hein, Thierry. Regarde. Oh. Ils ont mis le résumé de l'histoire avec les partitions. Regarde. Le résumé de l'histoire. Tu veux pas regarder? Fais voir. Regarde ça. Regarde ça. Alors, quatre jeunes réunionnais tombe amoureux d'une grosse... D'une jolie Catherine. D'une jolie tantine à Broadway. Oui. Hé, hey, où c'est il est Broadway, la Broadway? Broadway, États-Unis, ça. États-Unis, ça. États-Unis? Ouais, Michael Jackson, oh! T'es, la fin de Chao, j'avale un bouchon par litre d'eau, t'es. C'est pas que l'effet dangereux, ça, non? Oui. T'es... T'as pas créé depuis les 6 ans? Mais tu les as fait là. Thierry, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Alors, le titre, c'est « You are so pretty ». Et ça veut dire quoi, ça, « You are so pretty » Ah, ben, les gars, c'est un camarade, elle a fait des grandes études, les gars. Profite, les gars, profite de monde. Ah ouais, parce que anglais, c'est PPN, c'est grandes études. Ça ne te connaît pas, mon seul, hein? Ça veut dire « Toi, elle est jolie ». Thank you. Ah, mais les gars, on vient de faire ça, nous, non? Ouais, mais la musique, justement. Mais les partitions, ça, on les a regardées. Les partitions avec. Non, là, ouais, mais regarde. Qui va les faire? Je veux faire. Dominique. On a reçu un courrier là, ok? Et les bouts, j'ai envoyé les partitions et tout. Regarde, ça, on gagne pas fait ça, vous? Hein? Fais pas de la colle, mon gars. Ah, ça, bien. Bien, garde les partitions. Énerve pas les gars, Dominique, vas-y, salut. Comme ça? Pas de chute, trop droite pour les gens. Non. Je n'ai pas dit les gars. Trop de dièse? Qu'est-ce que c'est fait? Il est pas sûr, ça. Ouais. Alors? Hein?
Comment? Gagne. Ah bah oui, gagne. Gagne. Bah gagne. Ouais, ouais, gagne. Ouais, 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 super. Pour la partie, j'en prends. Ouais. Sabine, ouais. Sabine, alors. Les gars, mettez la pause, mettez la pause. Alors. Sabine Dano, comment même chanter, Catherine. Mettez la pause, mettez la pause. Mais fais quoi, moi? Bah, c'est où qui commence, alors? Hein? Mais bien coiffé, mais bien coiffé. Bien coiffé, où? Mettez la pause, où? Mais comment? C'est où qui commence? Bon. Ça fait la sonne, non? C'est bon? Attends, mais ça va tout de suite ou mais... Bah attends, là, attends, le morceau commence, hein. Ah bon. Là. Gagne assise. Et bon. Sunday night in front of the bazaar. T'es bazar, t'es T'as qui ça marche pour un peu. Vas-y bien. De toute façon, avec son best mob, il est bon rien que pour vendre un zèle. Les gars, sérieux, remets la pause. A nice girl was about, I could see she was quite right. Sunday night in front of the bazaar. A nice girl was a boot. Zabout, was a boot? Quand c'est un boot, la viande. Was a boot? Was a boot? Mais il veut écouter l'accent là, il est à boot. I blink my eyes to see her right. Her dress flapping in the air. Her face was so fair. Quelle est la face, t'es? Her face was so fair. Her face. Mais non! Non, figure. Mais ça même n'a défigué chez moi. There was a good smell in the air. Approaching immediately, she felt so pretty. So I told Milady. Milady? Milady? Ah, c'est la dit. Ah, so I told my lady, you're so pretty, your teeth are so white, cherry. You're so pretty, I am so pretty, shiny eyes oh, like silly cheese. Oh, yes, like silly cheese. Shut your eyes, baby. Black is your name. Pretty baby, only your teeth are so white, my sweet lovely. You're so pretty. Pretty, pretty, sweetie you are, baby. Only you, only. Can make my heart beat so quickly, so quickly. You're so pretty, your teeth are so white, cherry. You're so pretty, I am so pretty. Shiny eyes like silly cheese. Dark shines your eyes, baby. Flashy is your hair, honey. Pretty baby, only your teeth are so white, my sweet lovely. Pretty baby, only your teeth are so white, my sweet lovely.
Faut pas faire le capon, faut pas passer pour un couillon.